Eh bien, salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé de la journée 6 des essais privés de Barcelone 2018. Le record du tour du circuit qui datait de 2008 et de l'époque des V8 est tombé, confirmant que ces nouvelles monoplaces devraient bel et bien être les F1 les plus rapides de l'histoire. La référence chronométrée des essais hivernaux 2018 n'est toutefois pas à mettre à l'actif d'un pilote Mercedes, mais de la Red Bull de Daniel Ricciardo. L'Australien a bouclé les 4,655 km du circuit en 1:18.047 avec le composé le plus tendre de la gamme Pirelli, l'hypertendre, qui est tout nouveau cette année. Lewis Hamilton a signé le deuxième meilleur temps de la journée devant son équipier Valtteri Bottas, qui s'est donc adjugé le troisième chrono. Sébastien Vettel, qui était en piste en matinée, remplaçant au pied levé son équipier qui souffrait de maux d'estomac, s'est classé quatrième. Fernando Alonso a terminé dans le top 6, mais McLaren a de nouveau souffert. Le compteur de la MCL 33 est resté bloqué à 57 tours. Une petite fuite d'huile a nécessité le remplacement complet du groupe propulseur. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve prochainement. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.